les enfants, sans exception. Voilà. Mais en silence, hein, en silence, même les parents, en silence. Voilà. Soyez les bienvenus à Lausa, la vie. Voilà, soyez les bienvenus. On dit en arabe à Lausa. Vous savez ça? À Lausa. Voilà. Écoutez bien. Maintenant, on va faire une petite homélie entre moi et vous. Vous allez m'aider à faire l'homélie. À faire l'homélie, hein? Vous allez m'aider. Merci. Premièrement, voilà ce qui est apparu. C'est l'ange. Hein, voilà. J'appelle. Il va m'aider avec le micro. Voilà. Je te dis à qui tu dois donner le micro. Pas maintenant. Alors, si vous voyez un ange comme ça, vous pouvez me donner le cœur. Voilà. Alors, c'est Michel qui va m'aider, parce qu'on va écrire sur l'ange, hein, le rôle de l'ange. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait un ange, hein? Qui sait? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait un ange? Ah, c'est bien, il annonce ce que, les paroles de Dieu, ce que Dieu veut des hommes. Voilà. Alors, on dit annonce. Voilà, c'est quelque chose de très important. Hein? Il annonce. Et puis, autre chose, qu'est-ce qu'il fait un ange? Oui. Oui, il annonce l'arrivée de notre Emmanuel, Emmanuel, hein? De notre Dieu qui sera avec nous, le petit Jésus. Hein? C'est très important. Il annonce alors l'arrivée du Sauveur, notre petit Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait encore un ange? Ah, c'est bien. Pour que tous, alors, voilà, oui, toujours, qu'on fasse tous le bien. Le bien, toujours, faire du bien. Il y a un autre ange qui est le noir, hein. Qu'est-ce qu'il dit, l'autre ange le noir? Il faut faire du mal. Ah, il y a deux anges ici, là. L'autre, à côté droite, et l'autre à côté gauche, et l'autre dit, fais le mal, tape ton prochain, ton camarade, ton ami, tape-le, tape ton frère, n'obéis pas tes parents. Alors c'est qui? C'est l'ange noir, hein? Faites attention. Et l'ange blanc, l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il dit? Le bien, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il nous aide à faire l'ange noir. Bien sûr. Alors, il nous aide, à faire le bien. Hein, vous êtes d'accord? L'ange nous aide à faire du bien. Et qu'est-ce qu'il fait encore l'ange? Oui. Ah, il dit toujours la vérité, l'ange. Mais il a besoin de quoi? Les oreilles. Les oreilles de qui? De qui? De nos oreilles. Hein? Il dit toujours la vérité, mais il faut des oreilles pour qu'il écoute cet ange. Hein? Voilà, c'est la vérité. Alors, il dit la vérité. Qu'est-ce qu'il fait encore un ange? Ah, il nous défend. Il nous défend pour que les méchants ne nous attaquent pas. Hein? Tu es d'accord? Il nous défend toujours. Il est toujours à côté de nous. Il est présent. Même, on ne peut pas le voir, mais il est présent. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Est-ce que quelqu'un de vous a vu son ange gardien à côté de lui? Hein? Personne? Ni moi. Alors, mais il est là, il existe. Hein? Il est là à côté de nous pour nous défendre, pour nous protéger du mal. Voilà, il nous protège du mal. Il est invisible, bravo, parce qu'il est spirituel comme Dieu. On ne peut pas voir de bon Dieu. Hein? Il est invisible, il est spirituel, mais il est à côté de nous. Hein? Tu es d'accord avec moi? Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Dans nos cœurs, bien sûr, parce qu'il est dans nos cœurs. On ne peut pas le voir avec nos yeux, mais avec les yeux de notre foi. Hein? C'est tout à fait autre chose. Oui. Il obéit à Dieu. Oui, toujours il obéit à Dieu. Il obéit à Dieu. Voilà, on va finir avec cet ange. Mais pour dire quelque chose, oui, dis-moi. Il bénit les familles. Bravo, il est là.
sont présents pour bénir les familles. Il prie pour Dieu et pour nous. Ah, toujours. Toujours, il est devant Dieu. Il descend du ciel pour être avec nous. Et puis il monte vers Dieu pour être devant Dieu pour qu'il nous dise au bon Dieu, voilà, protège-nous. Protège nos enfants, protège nos familles, protège les pays. Voilà. Il prie devant Dieu. On va finir avec l'ange. Est-ce que vous êtes prêts à être comme un ange? Vous êtes les anges de Dieu aussi, parce que vous, vous pouvez être comme cet ange. Vous pouvez annoncer l'arrivée du Sauveur, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas la signification du Noël. Ils font des sapins, ils font beaucoup de choses, mais ils ne connaissent pas que la fête de Noël, c'est la fête de l'incarnation de Dieu. C'est Dieu avec nous. Il est descendu, il est devenu un enfant parmi nous. Il faut dire ça à vos camarades. Parce qu'ils ne savent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut annoncer, voilà, vous serez comme des anges. Et aussi, il faut aider à faire le bien. Il y a des camarades, il se peut qu'il y ait des camarades à côté de nous qui entendent l'ange noir. Alors il faut leur dire non, il faut que vous faites toujours le bien. C'est très important. Vous serez des anges dans ce monde. Pour protéger les autres du mal, il faut obéir à Dieu aussi. Maintenant, passer à une autre chose. Voilà, on va amener une autre chose. Ah, voilà. Alors, c'est quoi ça? Quoi? C'est quoi? Il y a l'étoile filante, celle-là. Il y a des étoiles là. Oui, qui restent dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'elle fait, l'étoile filante? Oui? Elle réalise nos voeux, c'est très bien. Quand s'il reste les bergers, qui encore? Oui.